Bonjour à tous et merci d'être là pour cette troisième vidéo. Une vidéo où vous allez vraiment voir ce que c'est une séance de EFT. Grâce à Hamid. Hamid, merci beaucoup d'être là. C'est très sympa. Alors, je t'explique un peu l'idée. J'ai fait une séance de EFT donc avec un patient qui va rester anonyme, hein, comme tu peux t'imaginer. Il a été content de ce qui s'est passé durant la séance. Je vais nous proposer de le retranscrire. Et il m'a dit, oui, pas de problème, vous avez mon accord, vous pouvez utiliser un acteur pour faire ça et faire une vidéo. Donc, ben, c'est toi hein, qui vas jouer l'acteur. On va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Tu es acteur, tu es ce patient-là. On va l'appeler Joël. D'accord. Et puis, vous verrez ce que ça donne de faire une séance lorsque on a eh bien, la problématique de Joël à traiter. Ok ? D'accord. Bon. Joël, bonjour. Bonjour. Donc, on va faire cette séance de EFT. Vous me dites si j'ai bien compris. Hein. Vous êtes là parce que, à certains moments, hein, vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Donc, notamment, l'exemple que vous m'avez donné, c'est tout bientôt, vous allez devoir présenter votre business, puisque vous lancez un nouveau business, pour obtenir des subventions face à un jury. Et vous avez peur de ne pas être à la hauteur face à ce jury. Voilà, c'est tout à fait ça. Ok, très bien. J'arrête de focaliser sur le jugement d'un prof de 5e. J'arrête de focaliser sur le jugement d'un prof de 5e. Je suis compétent. Je suis compétent. Je suis clair. Je suis clair. Je suis structuré. Je suis structuré. J'arrête de prendre en compte. J'arrête de prendre en compte. Ce que dit un prof de 5e. Ce que dit un prof de 5e. Je me libère de cette pression. Je me libère de cette pression. Je me libère de cette injustice. Je me libère de cette injustice. Et toute la colère. Et toute la colère. Toute la rage. Toute la rage. Que je ressens. Que je ressens. Face à ce prof qui m'a saqué. Face à ce prof qui m'a saqué. Je l'utilise comme une énergie puissante. Je l'utilise comme une énergie puissante. À l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi. Pour encore mieux argumenter. Pour encore mieux argumenter. Pour scotcher tout mon jury au poteau. Pour scotcher tout mon jury au poteau. Pour impressionner mon auditoire. Pour impressionner mon auditoire. Aujourd'hui, je suis compétent. Aujourd'hui, je suis compétent. Je suis clair. Je suis clair. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Je suis appliqué. Je suis appliqué. Et j'impressionne tout mon auditoire. Et j'impressionne tout mon auditoire. Alors maintenant que la séance est terminée, reprenez vos esprits hein, tranquillement, ressondez votre estomac et dites-moi si cette peur justement, qui était à 8 sur 10 au début, de ne pas être à la hauteur, je le rappelle, a évolué. Alors elle n'a pas du tout évolué, au contraire, là je me sens bien mieux. Et oui, c'est... Quand je m'y connecte, c'est bien plus léger, comme quelque chose de bien plus éloigné. Alors qu'au début, je voyais vraiment quelque chose de très fort et ça nouait l'estomac. Et là, je dirais que voilà, c'est encore un peu noué, mais ça se détend. Ça, je dirais, je l'ai évalué à 2,5 sur 10 maintenant, cette peur. Donc 8 sur 10 de confiance à peu près, quoi. Donc c'est super. Parfait. Il faut vous attendre, vu la grosse libération qui a été faite, à des changements dans votre vie tous les jours, dans le quotidien, relatif à cette peur qui est vraiment en train de se dégager de votre corps. D'accord, super. Ouais. Bon. Bon, ben voilà, merci Amine, la séance est terminée. Merci beaucoup de votre visionnage et vous n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez en commentaire. À bientôt. Merci. D'accord.